On l'appelle le squatteur dans le métier. Hein? On t'appelle le squatteur? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau vlog, celui du mois de septembre, celui où on commence à prendre notre rythme tous ensemble à 6. Rythme qui du coup a changé là en début de semaine avec la reprise de l'école pour les deux grands. La reprise se fait pas sans mal, c'est plutôt compliqué du côté de Marius et de Louise. Qui ont tous les deux changé d'école. Marius parce que maintenant il est entré au CP et Louise parce que leur petite école de quartier est vouée à être rasée dans les mois à venir pour abriter la nouvelle médiathèque de la ville. Donc il y a un gros regroupement scolaire qui s'est créé. Ils ont étendu une école déjà existante. En créant un nouveau bâtiment, en ouvrant plusieurs classes. Bref, maintenant, le matin, c'est un véritable bazar. Il y a du monde partout. On peut même pas y accéder en voiture. Ça va qu'on n'habite pas très loin. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu goulot d'étranglement, ces nouvelles écoles. Voilà. Et pour lui, c'est pas plus facile parce que il faut qu'elle s'habitue à ne pas être dans le même établissement scolaire que son grand frère, alors que l'année dernière, elle était en petite section, lui était en grande section, donc ils étaient quand même ensemble. Il a fallu qu'elle s'habitue au départ à y aller sans doudou, à changer de maîtresse. Elle avait un maître qu'elle adorait et là, c'est une maîtresse. C'est Célène que tu entends. Célène, elle pleure. Et dans les bras de papa, Célène. C'est mon cheveu, ça. Qu'est-ce que ça fait dans ta bouche? Oui, ça y est, postpartum oblige. Je commence à me déplumer légèrement. Donc voilà, petit point rentrée compliqué à l'issue de cette première semaine. Aujourd'hui, on est le vendredi 6 septembre. Évidemment, ça va aller bientôt mieux. Pour Marius, il est hyper impressionné. Il y a des grands partout, des grands qui l'impressionnent énormément. Il n'est pas dans la classe de ses copains. Louise non plus d'ailleurs. Donc c'est pour ça aussi que c'est d'autant plus difficile pour mes deux grands. Mais bon, voilà, ça va aller. Ils vont s'habituer. Puis aujourd'hui, c'est une chouette journée pour Marius qui a déjà une sortie scolaire de prévu. Léo, Marius, à l'école. Comment tu dis l'école? École. École. Sans sorbet dans la bouche, c'est plus facile pour articuler. École. Donc voilà, et ce matin, je vous prends rapidement avec mon gros poulet dans les bras. Je vous dis rapidement parce que vraiment depuis ce matin, ça n'arrête pas. Il a fallu que je range un peu la maison parce qu'on a encore une visite de prévu cet après-midi. Là, depuis que septembre est arrivé, les visites ont repris après un calme plat de 2 mois. C'est pas pour autant que ça aboutit à quelque chose, mais bon. Voilà, j'ai préparé le déjeuner pour ce midi pendant que mon mari accompagnait les grands à l'école ce matin et je m'en vais d'ici 20 minutes. C'est pour ça que je ne vais pas pouvoir m'éterniser dans cette première prise. Je m'en vais pour présenter Célène à mes parents qui ne l'ont pas encore rencontrée. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Non, on n'est pas dans la chanson du petit Papa Noël. Non, mais avant de partir, j'ai un petit unboxing à faire avec vous parce que j'ai commandé 2 choses qui viennent d'arriver. On va d'abord ouvrir un colis Cultura. J'ai passé une commande, je vous avais raconté, je ne sais plus si c'était dans le vlog précédent ou celui encore d'avant, mais que j'avais reçu un chèque cadeau à dépenser chez Cultura de la part de mes beaux-frères pour mon anniversaire. J'ai passé ma commande qui est arrivée il y a quelques temps à la maison et je me suis dit je vais attendre le vlog de septembre pour l'ouvrir avec vous, donc on y va. Premier ouvrage que je me suis commandé, ça faisait un moment que ce livre était dans ma wishlist Amazon et je ne sautais pas le pas parce que c'est un bel objet livre et du coup c'est un objet livre relativement onéreux. Mais je me suis dit, voilà, là c'est l'occasion, c'est un livre qui me faisait très envie, que j'avais vraiment envie d'intégrer à mes bibliothèques. Ce livre, ce n'est pas un roman, ce n'est pas non plus un album de coloriage, ce n'est pas un livre d'art créatif quel qu'il soit, ce n'est pas non plus un livre de cuisine. Je vous enlève tout ce que potentiellement vous me voyez régulièrement commander au fil des mois. Il reste plus grand chose, hein, là du coup. Donc ce livre, c'est un livre qui vient des éditions Hachette, c'est un livre du Routard et c'est le livre des road trips en France.
Et quand je vous dis qu'il est assez onéreux, il coûte en fait 35 euros, mais il est très épais. Voilà, il est très épais. Alors pourquoi est-ce que j'avais envie de ce livre? Tout simplement parce que je pense que vous le savez, mais moi j'ai cet attrait des vacances, le fait de partir physiquement de chez moi, partir en voyage avec une nette préférence pour partir en vadrouille à l'étranger. Mais je me suis ces dernières années fait rapidement rattraper par la réalité, c'est-à-dire qu'on est une famille nombreuse et voyager ça coûte cher déjà quand on est ne serait-ce qu'en couple, c'est un budget. Mais alors voyager avec des enfants et des enfants de plus de 3 ans qui payent comme des adultes, eh bien c'est un luxe qu'on ne peut pas s'offrir tous les ans en tout cas. Donc, bah, on se rabat sur la France. Et comme me dit mon mari, la France, c'est génial. Ça fourmille de paysages différents, de magnifiques endroits à découvrir. Et moi qui ai longtemps boudé la France, eh bien, je commence à arrêter de lui tourner le dos et à l'accueillir à bras ouverts. Donc voilà, on a déjà vu quelques coins, mais absolument pas tout. Et je me suis dit que ce livre-ci serait une mine incroyable d'idées, de trajets, de carnets de route, de choses à découvrir, d'itinéraires par région. Et voilà, c'est vraiment pour nous donner des idées d'itinéraires, encore une fois, que j'ai voulu me procurer cet ouvrage. Et vraiment, j'en suis très très contente. Il y a quelques pages en accès libre dans l'outil de visualisation quand vous êtes soit sur Amazon ou la Fnac qui vous donne un petit peu un aperçu de ce que peut contenir ce livre. Et moi, ce que j'ai vu, ça m'allait très très bien. Donc, par exemple, une page au hasard, on est dans le nord-est de la route des crêtes aux vallées alsaciennes. Et puis, vous avez comme ça, comme une carte, ça vous trace vraiment votre itinéraire d'un point A à un point B. Vous avez la petite légende. Je suis désolée pour le bruit. Vous avez la petite légende avec les étapes à ne pas louper, ce genre de choses, la fiche pratique. Et puis, quand vous tournez la page, ça reprend étape par étape dans le détail le trajet. Voilà, et ça a l'air mais formidable. Donc, il y a les petits coups de cœur avec les choses à voir, à faire, à visiter. Vous avez les petits encarts pour se dégourdir les jambes avec des idées de balade, de randonnée. Vraiment, ça a l'air mais génial. J'ai déjà hâte de pouvoir y jeter un coup d'œil. Oui, c'est à maman, c'est le livre de maman. C'est le livre de maman! Je répète, c'est le livre de maman. Peux-tu le remettre dans la bibliothèque, petit enfant, s'il te plaît? Oui. Merci. On a des voyages un petit peu plus... C'est chez nous que ça sonne. Je reviens. Ok, la poulette vient de changer de bras. Les colis sont trop lourds pour moi. C'est mon mari qui gère. Du coup, je vous disais quoi? Oui, je vous disais, on va partir relativement près de la maison là, l'année prochaine. Tout simplement parce que la poulette, elle aura moins d'un an. Elle va être encore toute petite. Donc, pour les trajets plus loin, les road trips justement que j'envisage de faire. Ouh là là, il y en a un qui se fait gronder en bas. Ce sera plutôt pour 2026 pour le coup. Et le dernier ouvrage que je me suis acheté, mais c'est une blague ce vlog. Je n'y arrive pas. Ce matin, je n'y arrive pas. Ah ouais, j'ai un mauvais karma là. Félix, bientôt 2 ans, Terrible 2 et compagnie. Monsieur, non, monsieur, je râle pour un oui ou pour un non. Est-ce que tu veux venir t'asseoir sur maman? Non. Le message est clair, c'est non. Donc, le deuxième ouvrage que je me suis acheté, c'est pareil, ça faisait un moment qu'il était dans mon radar. C'est ma décoration de Noël en feutrine. Vous savez que j'adore faire des choses de mes 10 doigts. Et surtout, j'adore apprendre de nouvelles techniques, faire des choses que je n'ai jamais fait. Et j'ai aussi une certaine fascination, il faut l'avouer, pour la période de Noël et la décoration au sens large du sapin. Avec ma terreur Félix, j'ai conscience... que je ne vais pas encore pouvoir cette année pour Noël sortir mes belles boules qui se cassent. Je n'avais déjà pas pu le faire l'année dernière parce qu'il était trop petit, il touchait à tout, il tirait sur tout, etc. Mais je m'étais dit, bon, en 2024, il aura grandi, ce sera calmé. Que nenni ! Félix est hyper curieux, il est hyper touche à tout et il est très destructeur. Donc, je pense que je peux faire une petite croix sur mon... Pas mon beau sapin, mais en tout cas mes jolies décorations qui devront attendre l'année prochaine.
C'est une blague. L'année prochaine, ce sera au tour de Célène. Bon, un jour, quand je serai vieille et que les enfants seront partis de la maison, je pourrai avoir un beau sapin avec mes jolies boules. Mais en attendant, une décoration qui ne casse pas, c'est la décoration de Noël en feutrine. Je sais pas si bébé Célène va me permettre d'apprendre cette technique et de faire des choses d'ici le mois de décembre, mais si tel est le cas, eh bien, je potasserai en long, en large et en travers cet ouvrage qui permet de faire, voilà, des jolies choses comme par exemple cette cloche. On a quoi d'autre? Un champignon. Je vais pas tout vous montrer, mais voilà, c'est pour vous donner un petit aperçu de ce qui est réalisable avec finalement peu de choses. Et ce livre est sorti aux éditions De Saxe. La créatrice, je la suis sur Instagram, c'est Léa Louvet. On peut la trouver sous le petit arrobase tous les mots doux. Elle a sorti, je crois, 3 ou 4 livres. Elle vient de sortir un nouveau livre dans ce même genre sur la feutrine. Sur les décorations de chambres d'enfants, qui là aussi me fait littéralement baver d'envie. Oh là là, il y en a une petite poulette qui est pas contente à côté. Va pas falloir que je tarde. Je pense que la voiture pour aller chez mes parents, ça va passer crème là du coup. Oui, parce que jusqu'à présent, le rythme de Célène, c'était de dormir toute la journée et la nuit. Bah la nuit, c'était un petit peu au petit bonheur la chance. On a eu des nuits plus ou moins fastes. Là, c'est pour ça que j'ai l'air d'être maquillée à la truelle ce matin, c'est parce que la nuit n'a pas été faste et mes cernes arrivent jusque-là. La nuit a été compliquée, je suis très fatiguée en ce moment et c'est vrai que là, elle a fini d'atterrir, donc la journée, en fait, elle dort beaucoup moins et elle pleure beaucoup plus. Mais globalement, franchement, on se plaint pas, elle reste hyper facile. Pour peu qu'on se donne un peu de mal, franchement, c'est super facile de la calmer. Tu veux que je t'ouvre les petits aimants? Meilleur jouet du monde pour Féfé. Vous savez, ces petits jouets magnétiques là. Alors, il ne le sait pas encore, mais on en a recommandé plein pour son anniversaire. Mais je peux le dire devant lui, il ne comprend pas encore. Très bien. Voilà mon petit cœur de beurre. Je vais ouvrir un dernier colis sous vos yeux ébahis. Et puis après, je vais vous laisser parce que je vois l'heure qui tourne et ça m'affole un petit peu. J'ai 30 minutes de route et j'ai dit à mes parents que je n'arriverai pas tard. L'autre colis que j'ai à ouvrir, c'est une commande beaucoup plus récente que j'ai passée sur le site italien Legami. C'est une marque de papeterie, donc on retrouve des fournitures de bureau, des cahiers, ce genre de choses. Et alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, j'en ai déjà parlé en vlog et en story, mais je n'en parle pas non plus tout le temps, donc vous avez pu rater l'information. Depuis la naissance de Marius, j'ai pris l'habitude d'écrire dans un cahier Legami. Format A4, plein de pages, des mots doux pour lui dire à quel point on l'aime, à quel point on est fier de lui, ce qui se passe dans notre vie, où est-ce qu'on part en vacances, qu'est-ce qu'il apprend de nouveau, comment est-ce qu'il se comporte avec les autres, que ce soit adulte ou enfant. On lui dit aussi quand il est difficile, mais on lui dit surtout qu'on est très content d'être ses parents et qu'on est très chanceux d'avoir un Marius dans nos vies. Alors ça, bah du coup, on a commencé avec Marius, mais chacun de nos enfants a son petit cahier. Et je suis pas la seule à écrire, mon mari le fait aussi. C'est sûr que plus on a d'enfants, moins on écrit souvent. Je me retrouve à écrire peut-être 4 fois par an dans les cahiers de mes enfants. Et c'est un cahier qui, j'espère, sera poursuivi dans les années à venir. Et j'aimerais pouvoir leur. Mais tu fais un barouf, mais juste à côté de moi. T'as toute la maison. Mais bon, c'est tellement plus sympa d'être à côté de maman. Je te comprends, mon cœur. Ouais. Ils ont été où? Page 12, je crois. On aimerait leur offrir, quand ils seront adultes, soit à l'occasion de leur mariage, soit à l'occasion de la naissance de leur premier enfant, selon ce qui arrivera en premier, on verra. Mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est un chouette projet. Et puis, bah, il fallait un petit cahier pour Célène. Par contre, je suis. Ah oui, faut mettre la rouge. Je suis très déçue de la collection actuelle Legami. C'est très loin des petites mignonneries que j'ai pu trouver pour les 3 premiers. Je trouve leur collection actuelle de cahiers très enfantine. Non, regarde, c'est bon, il y avait la place pour 2 roues, mon chéri. Regarde. Mais vraiment super moche. C'est-à-dire que les couvertures actuelles, c'est soit des œufs au plat, soit des grosses fleurs en mode un peu psychédélique, vous voyez?
Ça n'a rien de fin. Moi, j'aime les choses sobres, fines, délicates. On n'y est pas du tout. Donc, j'ai quand même trouvé un cahier qui passait un peu mieux que les autres. Et je vais vous montrer ça. Mais du coup, je pense qu'il va me falloir des ciseaux. Oh my god, mais tu m'as coupé la vidéo! Non mais Félix, fallait pas toucher au téléphone de maman là. Oh, c'est pas vrai. Le touche à tout. Aïe aïe aïe, tu viens juste de me labourer le dos avec tes griffes. C'est bon? Oui. Oui. Oh là 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 là. Oh la terreur. La terreur du bac à sable. Je te vois hein, caché derrière moi. Je te vois. Je te vois. Je te vois. Allez, laisse-moi finir de filmer ma vidéo. Je n'ai jamais réussi à décoller pour aller chez Papinou Mamisa là. Alors du coup, je vous montre le cahier que j'ai choisi pour la belle Célène. J'ai plein de choses à lui dire. Donc j'ai pris cette couleur rose. Oh là là, on voit rien du tout. Attendez. Donc avec des motifs un petit peu ésotériques, hein, je dirais. On a des cristaux, des lunes. Je pouvais que prendre ce modèle pour Célène, hein, si vous avez vu mon dernier vlog, je vous explique en long, en large et en travers, quitte à être un petit peu relou, à la signification de son prénom. Voilà. Non, il est quand même beaucoup mieux que les autres. Qui a-t-il? Qu'est-ce qu'il a à ton pied? Ben oui, mais qu'est-ce qu'il a à ton pied? Et du coup, donc voilà pour son cahier. Et je me suis aussi pris deux petits stylos. Alors, il y en aura un pour moi et un pour ma fille. Enfin, la plus grande de mes filles. Oui, c'est vrai que maintenant, j'en ai deux. Oh, je ne suis pas encore tout à fait habituée. Donc, pour Louisette, je lui ai pris un petit stylo comme ça. Licorne. Non, mais depuis quand il y a des stylos licorne? C'est beaucoup trop mignon. Ils ont des articles vraiment trop choux. Franchement, je m'écoutais, je craquais mon slip. Hein. Et pour moi, je me suis pris ces petits stylos abeilles. Et alors, ce sont les stylos effaçables. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais prendre ça pour écrire dans le cahier, notamment de Célène, parce que parfois, je me retrouve à écrire avec mon bic 4 couleurs et à faire des fautes d'orthographe. J'ai pas forcément de Tippex. Bon, il y en a dans le bureau de mon mari. Mais quoi qu'il en soit, ça fait une trace blanche très moche dans le cahier. C'est gênant. Au moins là, avec ça, j'aurais dû faire ça dès le départ, en fait. Mais là, au moins, je serais tranquille. Que veux-tu que je fasse avec ça? Oui n'est pas une réponse satisfaisante. C'était une question ouverte, chérie. Oui. Oui. Mais toi, tu me fais une réponse fermée, mon cœur. Qu'est-ce que je fais? Oui. Oui. D'accord. Bah oui, alors. Du coup, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans un prochain plan, une prochaine séquence de vlog pour vous parler. Coucou, qui dit, on voit à peine tes petits cheveux qui dépassent. Pour vous parler de lecture, je suis en train de lire un très chouette roman actuellement de Ariel Holzel qui s'appelle Bépocalypse au lieu de Apocalypse, que je me suis acheté il y a quelques années de ça. J'avais adoré dans sa trilogie des Sœurs Carmine et j'ai envie de découvrir vraiment plus en détail sa bibliographie parce que je trouve que c'est un auteur formidable, qui a une capacité assez déconcertante à se réinventer, à créer des univers assez barrés et en même temps totalement différents d'un roman à un autre. Il s'est essayé à bon nombre de genres et souvent avec brio, selon le retour de ses lecteurs. C'est très enquiquinant ça, voilà. Et voilà, j'avais envie d'en savoir plus sur ses livres. Donc actuellement, je lis Bépocalypse, que j'aime énormément. Et c'est pas encore aujourd'hui que je vais pouvoir avancer sur ma lecture. J'en ai pris mon parti, mais là, mon rythme de lecture s'est littéralement cassé la figure. C'est-à-dire que si je réussis à lire 50 pages dans la journée, wouh, je suis refaite. Et très honnêtement, ça n'arrive pas souvent ces derniers temps. Mais voilà, je ne me mets pas la pression. J'ai d'autres choses à faire en ce moment, de plus urgent. Et c'est pour ça que la lecture passe en second plan. Je sais que ce n'est que temporaire. Je suis une telle cravacheuse de livres que je sais très bien que voilà, très rapidement, je m'y remettrai. Mais c'est vrai qu'avec la rentrée scolaire, on a eu tellement d'administratifs à faire entre les réunions, la paperasse, les devoirs maintenant, que voilà, il y a d'autres choses qui passent en priorité. Et c'est comme ça. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve dans quelques jours.
lundi 16 septembre. Cette séquence va davantage être consacrée à la lecture et au livre, puisque je vais vous montrer mes acquisitions du mois. J'ai passé ma petite commande, moitié sur Amazon, moitié sur Vinted. Je me suis acheté ce qui est ma lecture en cours. Je me suis pris Shining de Stephen King. C'est pas tout jeune, mais en revanche, cette édition-là, si elle est toute jeune, le livre est ressorti avec une nouvelle traduction en grand format il y a quelques mois en arrière. Et là, eh bien, c'est l'équivalent, mais version poche, qui est sorti il y a quelques semaines maintenant aux éditions Le Livre de Poche, donc avec cette jolie couverture qui nous montre l'hôtel Overlook. Et je suis, mais... Bien plongée dans ce livre, j'en suis à la moitié, comme vous pouvez le voir. C'est assez intriguant, c'est assez dérangeant. Alors il faut savoir que j'ai pas une grande expérience des livres de Stephen King, c'est seulement mon troisième. J'essaie de les lire plus ou moins par ordre de publication, par ordre d'écriture, et je n'en lis qu'un par an. Donc c'est sûr qu'à ce rythme-là, j'ai le temps de mourir 15 fois avant de réussir à lire toute sa bibliographie. Mais jusqu'à présent, j'ai lu Carrie l'année dernière et l'année d'avant, c'était Salem. Donc voilà, là, j'avais envie de lire Shining. Et autant le film ne me branche absolument pas parce que j'ai une sainte horreur des films d'horreur. Je suis beaucoup trop trouillarde pour prendre du plaisir à regarder ce genre de contenu. Autant en livre, ça va. Ça me dérange moins, on va dire. Là, pour vous dire, je suis rendue à la moitié et... Il y a une scène un petit peu cradingue et effrayante, mais ça va. En bonne grande fille de 35 ans, j'ai réussi pour le moment à ne pas encore faire de cauchemar, donc tout va bien. Mais j'aime beaucoup ce que je lis parce que je trouve que Stephen King a un talent incroyable dans la narration et dans le fait d'exposer des psychologies de personnages très complexe, très perturbé. Il a un talent vraiment inégalable en la matière, à mon sens. Et vraiment, je me suis régalée des descriptions de cet hôtel qui s'appelle Overlook et des descriptions psychologiques de cette famille que l'on suit, qui est composée donc d'un mari, Jack Torrance, qui est ancien alcoolique, d'une femme qui s'appelle Wendy et qui se pose beaucoup de questions. On a l'impression que c'est un peu l'archétype de l'épouse soumise, mais pas que. Et ils ont eu ensemble un enfant qui s'appelle Danny et qui a une particularité assez perturbante puisqu'il est capable d'avoir des visions du passé, mais aussi de l'avenir. Un avenir potentiel, puisque ce qu'il voit, ça ne se passe pas dans 100% des cas. Il a aussi la faculté de voir des fantômes. Il réussit aussi à lire dans les pensées de ses parents dans certains cas. Il voit un garçon qui n'a l'air d'exister que dans sa tête. Bref, cette famille relativement dysfonctionnelle va se retrouver bon gré mal gré à résider dans l'hôtel Overlook pendant sa saison hivernale. Il faut savoir que c'est un hôtel qui est situé dans les montagnes du Colorado et il y a une fermeture annuelle puisque lorsqu'il y a la chute des neiges, les routes sont impraticables, donc il est physiquement impossible de se rendre à l'hôtel. Donc il y a quand même une espèce de permanence durant la saison hivernale où il y a un homme, en l'occurrence ici ça va être Jack, et qui va être embauché pour prendre soin de l'hôtel, pour vérifier le bon fonctionnement de la chaudière, puisqu'on ne peut pas simplement se contenter de laisser un endroit à l'abandon et puis voilà, on s'en fiche. Non, il y a quand même un certain entretien à garantir pour assurer la réouverture de l'hôtel au printemps. Et c'est Jack qui va donc être embauché. Il va résider avec sa famille à l'Overlook et il va du coup commencer à se passer de drôles de choses là-bas. Évidemment, je vous en dirai pas plus. De toute façon, vous êtes peut-être un certain nombre à soit avoir lu le livre, soit avoir vu le film, ou en tout cas être un peu familier de l'univers de Stephen King et de l'univers de Shining. C'est une bonne lecture. Je suis pas toute seule, j'ai ma mini assistante, la future mini lectrice qui est là dans mes bras, ma poupée.
toute sèche, toute mignonne, comme toujours. Et voilà, donc ça, c'est mon achat du mois et ma lecture surtout du moment. Alors, je me suis autrement acheté une lecture pour préparer le mois de décembre. C'est un cozy mystery, ça n'étonnera personne parce que j'aime beaucoup les cozy mysteries, vous le savez. Donc, je me suis pris retour à Sainte-Marie Hill, Cozy Christmas Mystery de Karin Pitocchi. Et c'est sorti aux éditions Le Cherche Midi. Je n'ai encore rien lu de cet auteur, bien que je possède son autre saga dans ma pile à lire, puisqu'elle a écrit Les rêves de nos mères, pas du tout dans le même registre, puisque là, pour le coup, Les rêves de nos mères tient davantage du genre historique que du cozy mystery bien contemporain. Mais je lirai ce livre avec plaisir en décembre. Ce sera la période idéale. Je me suis aussi acheté un de Saxus et j'ai jeté mon dévolu sur Divine Rivalité. C'est écrit par Rebecca Ross. C'est un livre qui a l'air de parler de Dieu et qui a l'air de parler de journalisme. Oui, les deux n'ont pas forcément l'air d'aller très bien ensemble. Mais écoutez, en lisant le résumé, c'est ce que j'ai pu comprendre. C'est un livre qui a eu de belles critiques et qui me fait très 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 envie. Ensuite, comme j'ai eu l'occasion de lire un Serena Giuliano il n'y a pas longtemps et que je n'en avais plus d'avance dans ma pile à lire, j'ai pas pu m'empêcher de me prendre Luna. Là, on va suivre une Italienne qui vit à Milan, mais qui a passé son enfance à Naples. Elle va être amenée à effectuer un certain retour aux sources pour aller au chevet de son père qui est gravement malade. Et elle va en profiter, donc Luna, pour se remettre en question. Voilà. Donc j'ai déjà hâte de le lire parce que franchement, s'il est aussi bien que Ciao Bella et que Mamma Mia, ça promet vraiment un agréable moment de lecture. Et puis la grande, grande, grande qualité des romans de Serena Giuliano, c'est qu'ils sont très courts. Donc c'est vraiment idéal quand on a envie d'une lecture rapide. Je me suis acheté en dernier lieu sur Amazon Le Tatoueur d'Auschwitz. J'aime bien les récits sur la Seconde Guerre mondiale. J'en lis pas tous les mois, mais j'aime bien avoir quelques-uns à piocher dans ma pile à lire lorsque j'ai envie de me diriger vers ce type de lecture. Et Le Tatoueur d'Auschwitz, c'est quand même un récit qui est très très connu, très très plébiscité par les lecteurs amateurs de ce genre-là. Et c'est écrit par Heather Morris. C'est une journaliste qui a écrit plusieurs romans. Il me semble que c'est son premier, mais je ne sais pas vraiment si ce sont des livres one-shot ou s'il s'agit de d'une saga avec des tomes à chaque fois la suite. Peut-être que vous pourrez me renseigner en commentaire. Mais là, en tout cas, je sais que c'est son premier. Donc, Le Tatoueur d'Auschwitz, ça parle de l'histoire vraie d'un homme et d'une femme qui ont trouvé l'amour au cœur de l'enfer. Donc, on a Leil, un déporté, qui est tatoueur, hein, et à Auschwitz, ça ne s'improvise pas. Donc, il est là pour tatouer les numéros, hein, sur les bras des prisonniers. Et il va rencontrer Gita, qui va devenir un peu la lumière de ses jours sombres. Ils vont tous les deux tomber amoureux. C'est moi ou il y a Félix qui est en train de pleurer? Mais vous passez le mot avec ton grand frère, hein, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Félix est à la sieste, mais en ce moment, son sommeil, c'est assez compliqué. Or, pas la nuit, mais plutôt la sieste. Il a tendance à chouine-chouine pendant la sieste. Bon, alors, il faut dire qu'il lui est arrivé une misère hier. Mon mari a passé sa matinée aux urgences, puisque Félix nous a fait une petite frayeur. Il a raté une marche en montant l'escalier. Il s'est ouvert le menton, comme maman à la belle époque, puisque moi aussi j'ai eu 3 points de suture au menton quand j'étais plus jeune, mais quand même un peu plus vieille que Félix. Je devais être en moyenne section. Il y a un petit garçon qui m'a bousculé et qui m'a éjecté même hors d'un grand toboggan à l'école. Et du coup, je me suis ouvert le menton comme ça. Mais c'était la belle époque, l'époque où il n'y avait pas besoin de courir aux urgences et d'attendre 2h30 ton tour pour avoir des points de suture. Tu pouvais faire ça directement chez ton médecin traitant. Mais là, non, les médecins traitants ne font plus de points de suture depuis belle lurette. Donc voilà, petit chat, il a eu 3 points de suture. C'est déjà la deuxième fois cette année qu'il a 3 points de suture. Parce que pour rappel, il s'était ouvert l'arcade en début d'année. On va finir par prendre une carte de fidélité, les amis. Je suis même étonnée qu'il ne nous l'ait pas proposée. Donc voilà, comme il est également un petit peu enrhumé, je pense que c'est un peu compliqué pour lui le sommeil. Hein, ma poulette?
Est-ce qu'il pleure encore? Ah ouais, il pleure, il m'appelle. Bon, eh bien, je vous reprends dans une seconde. Du coup, je vais maintenant vous montrer les achats que j'ai pu faire sur Vinted. Je me suis acheté deux romans, donc vous allez voir, ça va aller relativement vite. Je me suis pris Noblesse oblige. C'est un livre qui est sorti il y a un petit moment chez Slalom. C'est écrit par Maïwenn Alix. Et franchement, je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. Mais j'avais l'impression que c'était un petit peu un bis repetita de la trilogie La Sélection de Kyrakas qui est sortie il y a des années dans la collection R de Robert Laffont. Très honnêtement, enfin à mon sens, c'était pas une saga qui volait très haut, loin d'être inoubliable, et j'avais pas du tout envie d'un bis repetita, donc je m'étais pas penchée plus que ça vers ce livre-ci qui me semble être un tome unique de ce que j'en sais. Mais en lisant des avis de lecteurs, en revoyant passer le livre, en relisant le résumé et en voyant cette jolie couverture et alors surtout ce jaspage magnifique, je me suis dit que ça pouvait être quand même plus sympa que ce que j'avais pu m'imaginer au premier abord. Et ben voilà, j'ai fini par me le prendre ce livre. Donc de quoi parle Noblesse oblige? Il s'agit d'une uchronie puisqu'on part du postulat que la révolution de 1789 en France n'a pas abouti. Et que l'on en est au roi Louis XXI. Voilà, rien que ça. Dans cette histoire, ce qui a l'air d'être assez amusant, c'est que le concept de télé-réalité existe déjà. Et tout le monde est branché H24 sur les différentes émissions qui existent. Et celle qui a vraiment le vent en poupe, c'est celle qui s'appelle Noblesse oblige. Donc on retrouve le titre du livre. Et il va y avoir notre héroïne qui s'appelle Gabrielle, qui est secrètement tyroyaliste et qui va apprendre qu'elle fait partie des candidates retenues pour faire partie de cette émission de télé-réalité. Voilà pour ce livre-ci. Quant au dernier, eh bien, je ne l'ai pas encore déballé. Je suis allée le récupérer là ce week-end. Donc je vais l'ouvrir avec vous avant de vous laisser. Donc c'est un livre. Il y a une couverture cartonnée qui coûte 25 euros lorsqu'on l'achète neuf. Et en moi, en l'achetant d'occasion, j'ai économisé 5 euros. Mais c'était clairement pas un livre que j'avais envie d'acheter neuf parce que c'est de la romance contemporaine. Et je suis difficile, si vous saviez, en la matière. Je ne me dirige pour vous dire que vers des auteurs que je connais déjà et que je sais que j'apprécie beaucoup, à l'image de Brittany Cherry, à l'image de Colleen Hoover. Et c'est vrai que je suis assez frileuse à l'idée de découvrir de nouvelles plumes. Et bon, là, c'est pas une toute nouvelle plume puisque c'est une auteure qui a quand même écrit plusieurs livres. Quand je vais vous montrer le livre, vous allez me dire, ah, bah oui, hein. Alors, donc où est-ce qu'il m'a mis ça? Dans une boîte Star Wars. Et on prend ce qu'on trouve chez soi, hein. Je ne lui jette pas la pierre. Je crois que j'ai déjà été amenée à utiliser des cartons de couche pour envoyer des colis. Mais ça, c'est top, parce que le bulle, après, moi, je récupère. Hop là. Du coup, ah! Je n'ai jamais testé les jeux de société Unlock, mais à ce qui paraît, c'est génial. Bon, en tout cas, si je devais en acheter un, ce serait pas celui sur Star Wars quand même. Bon, alors, hop, mon livre. Mais c'est une blague. Mais c'est une blague. Mais non. Mais non. Mais c'est réellement. C'est un fail absolu, cette histoire. C'est réellement le jeu de société Unlock Star Wars. Bon sang, mais je vais pas acheter ça, quoi. Il n'y a pas Emmanuel Berion. Oh, Seigneur, elle s'est gourée. Ah non, mais moi je m'appelle pas Emmanuel Berion, en plus Emmanuel Garçon. Oh là 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 là. J'espère que j'ai pas raté le coche pour récupérer mon colis. Bon, bah donc c'est un fail absolu cette histoire. J'espère que Emmanuel, EL, donc Emmanuel Garçon, ne s'est pas retrouvé avec mon roman de romance contemporaine, parce que j'imagine que ça lui ferait une belle jambe. En tout cas, voilà, Emmanuel Garçon, si tu cherches ton Unlock Star Wars, sache que c'est moi, Emmanuel de Zelleux.
qu'il est en ma possession. Voilà. Donc je sais de quelle manière je vais occuper mon après-midi. Hein, voilà. Je vais attendre que Félix se réveille de la sieste et puis j'irai au point relais et je lui demanderai où est mon colis. Puis je lui redonnerai celui-ci pour qu'elle contacte Emmanuel Garçon. Voilà. On est content, on n'est pas content, on n'est pas content, on n'est pas content. Hello, je vous récupère non pas un autre jour, mais le jour même de la prise précédente, simplement en fin de journée. Désolée pour le cadrage un petit peu improbable, mais je vous ai posé là où j'ai pu, dans la chambre de ma fille, parce qu'on est rentrée du parc, j'ai fait les devoirs et là Louise prend sa douche, donc je supervise un petit peu cette activité-là. Et je me suis dit que j'allais m'installer rapidement dans sa chambre pour vous montrer. Ah, ça y est, je l'ai récupéré, mon précieux colis, qui n'est donc pas arrivé dans une boîte de jeux de société comme je le croyais au préalable, mais dans une boîte de chaussures Adidas. Voilà. Moi, tant qu'il y a le bon article dans mon colis, ça me va bien comme ça. Qu'est-ce que tu fais avec ta casquette, toi? Mais tu fais quoi, toi? Bah, moi, je filme, et toi, tu fais quoi, toi? Bah, rien. Bah alors, va reposer ta casquette, s'il te plaît, Minou. Ah, je vais éternuer. Voilà. Alors, du coup, ce fameux roman de romance contemporaine, quel est-il? Eh bien, c'est un livre de Ali Hazelwood. Voilà, vous l'aurez peut-être deviné lorsque je vous en ai parlé, peut-être pas d'ailleurs. Mais c'est ce livre. Alors, attendez, je regarde en même temps, il était censé être comme neuf. Et je suis tout à fait d'accord, il est franchement comme neuf. Voilà, par un mini pet ici, mais trois fois rien. Quand il est rangé dans la bibliothèque, on ne le voit même pas. Ah, par contre, les pages sont pas aussi blanches que je l'aurais imaginé. Et clairement, il n'a pas pris le soleil, c'est l'impression qui est comme ça. Ça vient de chez qui? C'est Hauteville. Et alors, j'ai remarqué dans toutes. Tu tournes vers toi le bouton de la douche dans toutes les annonces vers le mur. Pardon. Voilà. Dans toutes les annonces que j'ai pu voir passer sur Vinted, en fait, le petit marque-page était constamment effiloché. Ça va, chérie Bibi? Donc, vais-je aimer cette lecture? Je ne sais pas. C'est le premier roman de l'auteur que j'achète. C'est le premier aussi qu'elle écrit. Si j'aime bien, il y a moyen que je me prendrai les autres. Je les trouve visuellement très sympas. Et je me dis que dans des photos Instagram, à côté d'autres livres, ça doit rendre aussi très très bien. Alors, mon bébé, avec tes trois points de suture là, hein? Mon amour! Salut! Du coup, je vais vous laisser parce que c'est le rush du soir. On enchaîne avec les douches des garçons, les repas, tout ça, tout ça. Mais on se retrouve bientôt. Aujourd'hui, on est le 29 septembre. Je vais clôturer ce vlog avec cette prise. Et comme vous le voyez, je suis vraiment bien couverte pour affronter le froid de la véranda parce que ces jours-ci, les températures sont bien redescendues. Et ça y est, j'ai réussi à attraper le rhume des enfants. Mais bon, bah, qui dit école dit retour des microbes et compagnie. Et encore là, je croise les doigts parce qu'on a eu un message de la maîtresse de Louise l'autre jour nous prévenant que les poux étaient de retour dans la classe. Génial, ça ne nous avait pas manqué. Donc voilà, je veux bien attraper un rhume à la limite, mais alors les poux, non, 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 pas ici, merci. Donc du coup, je suis hyper vigilante et j'épouille ma fille au quotidien, voilà, pour vérifier que sa tête reste bien saine. Je voulais vous donner des petites nouvelles des enfants sur le mois qui vient de s'écouler. Donc comme vous le savez, Marius et Louise ont fait leur rentrée à l'école. Je vous avais dit que leur rentrée avait été compliquée. Il y a eu, suite à ça, encore beaucoup de pleurs, beaucoup de crises d'angoisse dans les jours et même semaines qui ont suivi.
Et là, ça y est, depuis une petite semaine environ, les choses se sont tassées. Je dirais qu'ils se sont fait à l'idée. Pour Louise, ça va nickel. Il n'y a plus de pleurs ni quoi que ce soit. Plus trop d'appréhension. Pour Marius, je sais qu'il passe d'excellentes journées à l'école, qu'il adore sa maîtresse. Mais c'est vrai qu'il a encore besoin d'avoir la compagnie d'un copain pour franchir physiquement le portail de l'école. Parce que si je lui demande d'y aller tout seul, il va être hyper angoissé et il va pas vouloir y aller tout simplement. Il est très impressionné par la présence au niveau de la grille des grands de CM1, CM2. Mais bon, franchement, je suis confiante. Plus ça va, plus je vois qu'ils s'y font. Donc, c'est très rassurant. Et même moralement, je me sens mieux parce que c'est vrai qu'avec le recul, je me rends compte que ça m'a affecté leur rentrée et leur état d'esprit lié à la rentrée. Du côté de Célène, eh ben, elle a eu un mois, ma petite moelleuse, et elle se porte très bien. Là aussi, je croise les doigts, je touche du bois. Elle n'est pas encore tombée malade et au moins c'est une chance de se dire qu'elle a pu passer son premier mois de vie en bonne santé. Elle a été vaccinée le jour de son premier mois contre la bronchiolite. Donc c'est chouette parce que même si c'est un vaccin qui coûte un rein et demi, dans le sens où ça coûte 400 euros cette histoire quand même. Donc soit il faut être très riche, soit il faut avoir une bonne mutuelle, mais c'est quand même chouette que ce soit accessible à tout le monde maintenant. On n'a pas eu cette chance il y a 2 ans quand on a eu Félix. Et du coup, il a chopé la bronchiolite absolument tous les mois de sa vie, de son premier mois à la fin de sa première année. Donc c'était une belle angoisse à chaque fois avec des gros problèmes respiratoires. Donc bon, le vaccin contre la bronchiolite, il n'est pas miraculeux dans le sens où sa durée d'action ne s'élève qu'à à peu près 5 mois. Mais bon, si déjà la pépette peut avoir à peu près 6 mois avant d'attraper sa première bronchiolite, bon bah on se dit voilà, au moins l'état de fragilité lié au premier mois de vie se sera estompé et du coup on sera quand même un peu plus tranquille de ce côté-là. Donc voilà, elle mange bien, elle dort bien, elle a fait ses nuits à 3 semaines, donc on est vraiment hyper comblés. Enfin, j'ai toujours eu des enfants qui font leur nuit très rapidement, vers 2 mois environ. Mais c'est vrai que 3 semaines, on n'en espérait pas tant. Donc on est hyper chanceux. On est refait. Alors je ne dirais pas que pour autant je passe des belles nuits parce que Célène est dans notre chambre et que vous le savez peut-être. Mais les nouveau-nés font des bruits très caractéristiques dans leur sommeil en enchaînant les différents cycles. Et on dirait des grognements de marcassins. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée de ce que peut produire comme bruit des tout petits bébés. Et moi, j'ai un sommeil léger. Et du coup, dès que j'entends ça, moi, ça me réveille et j'arrive pas à me rendormir. Donc, je fais des insomnies. Pour le moment, j'arrive à m'endormir très vite. Donc, pourvu que ça dure. Mais par contre, je me réveille hyper tôt, vers 5 h du matin environ. Moi, ça y est, ma nuit, elle est pliée. Quant à Célène, elle dort environ de 23 h à 8 h, 8 h 30 du matin. Donc, vraiment des très très belles nuits. Là aussi, bon, ça peut évoluer. On verra. Mais déjà, au moins, c'est chouette parce que on est à peu près serein de ce côté-là. Et ben voilà ce que j'avais à vous dire par rapport aux enfants. La semaine qui s'annonce va être assez intense dans le sens où mon mari va faire son premier déplacement professionnel depuis qu'il est papa pour la 4e fois. Donc il va falloir que je gère seule pour la première fois toute ma petite troupe pendant 2 3 jours d'affilée comme ça. Et puis le week-end prochain, eh bien, ce sera les 6 ans de Marius. Donc un bel anniversaire à organiser. Qui est-ce qui m'a rejoint dans la véranda? Je ne sais pas, c'est Marius, mais je crois qu'il a refermé la porte. Donc voilà, c'est 6 ans. Évidemment, je vloguerai tout ça. Ce sera pour le mois prochain, mais pour moi, c'est tout bientôt, vu que c'est déjà dans quelques jours. Et je vais être un peu seule là pour gérer les derniers préparatifs. Donc je suis un petit peu sur des charbons ardents, un petit peu stressée, mais ça va le faire. Voilà. On va passer maintenant à la partie lecture, puisqu'on a la chance d'avoir reçu de nouveaux albums de la part des éditions Kiman. Un grand merci à eux d'ailleurs, si jamais ils passent par là et qu'ils voient cette vidéo.
Celui qui a été un véritable coup de cœur pour les enfants, c'est Aurore, chasseuse de dinosaures. Donc cet album, je l'aime aussi beaucoup parce qu'il est tiré d'une histoire vraie et c'est ça qui est chouette. Réellement en Angleterre, dans les années 1800, il y a une petite fille, bon bien qu'elle ne s'appelait pas Aurore, mais il y a eu une petite fille de 11 ou 12 ans à l'époque qui a découvert un squelette de dinosaure en fouillant la terre ou le sable de sa plage, je crois. Et elle s'est fait piquer réellement par un inconnu. Sa trouvaille, il a voulu se l'approprier, cet inconnu. Et du coup, l'album raconte comment Aurore, à l'aide de sa mamie, va partir à la poursuite de ce voleur de squelettes. Et comme quoi, à la fin, le mérite lui sera rétabli. Ça a été une très belle découverte. Je n'accroche peut-être pas spécifiquement à ce trait de crayon que possède l'illustratrice, mais ça m'est très personnel. Je trouve que le texte, en revanche, est vraiment ultra satisfaisant. Et cette histoire fait un peu histoire d'aventure, vous voyez. Et du coup, par cet aspect-là, a beaucoup plu aux enfants. Au niveau du coup de crayon, au niveau de l'aspect vraiment purement graphique, j'ai nette préférence pour le deuxième album que je vais vous présenter tout de suite, qui est Feuille, la petite fée des forêts. Il faut dire que l'illustratrice ne m'était pas inconnue, puisqu'il s'agit de Lucy Fleming. Alors pour le coup, elle s'occupe et du texte et de l'écriture, contrairement à l'album précédent où il y a vraiment deux personnes distinctes pour le texte et pour les dessins. Là, Lucy Fleming a tout réalisé et Lucy Fleming, on possède déjà plusieurs albums d'elle et notre album Indéboulonnable et vraiment Louise et les monstres du soir, on le lit encore très souvent, ça nous réjouit toujours autant comme livre, mais j'aime bien aussi découvrir ses nouveautés et dans un tout autre registre, Feuille, la petite fée des forêts a été une jolie surprise. On va découvrir donc cette petite fée qui est plantée sur son chêne et qui va devoir le quitter à l'approche de l'hiver puisque vous le savez, toutes les feuilles finissent par tomber en automne, mais Feuille a peur de tomber de son arbre parce que c'est l'inconnu et l'inconnu, on le sait, c'est terriblement effrayant. Voilà, donc vraiment c'était une jolie histoire. Je vous montre une double page pour que vous ayez un petit peu une idée du coup de crayon absolument incroyable de Lucy Fleming. J'aime beaucoup cette page-là parce qu'elle est fourmillante de détails, notamment le petit time sur le gros champignon, c'est vraiment mignon comme tout. Donc merci encore Kiman pour ces jolis envois. J'en viens à vous parler des lectures que j'ai effectuées pour moi là ces derniers temps. Vous l'avez vu dans la dernière prise, mais j'étais en pleine lecture de Shining, que j'ai donc terminé depuis le temps, même si je lis pas beaucoup en ce moment. J'ai quand même fini Shining. Et je dois dire que ça a été une expérience de lecture assez intéressante parce que au-delà de l'histoire à proprement parler qui évoque, comme je vous l'avais dit, les difficultés que va rencontrer un père de famille ex-alcoolique suite à son isolement à lui et à sa famille à l'intérieur d'un hôtel dont il est chargé de l'entretien pendant la période hivernale dans le Colorado, ça va surtout être un gros roman psychologique. Donc l'alcoolisme, c'est le thème omniprésent hein, de cette histoire. Je crois d'ailleurs avoir compris qu'à la même époque, enfin à l'époque où Stephen King a écrit son livre, lui-même souffrait de problèmes d'addiction. Donc on sent qu'il y a un peu transposé de son expérience, de ses envies, entre guillemets, de replonger dans l'alcool, du sevrage compliqué et des effets secondaires, surtout que procure le sevrage. Mais c'est un livre aussi qui parle beaucoup de violence conjugale. C'est un thème qui va revenir régulièrement dans ces histoires. Alors, j'ose espérer que pour le coup, il n'y a pas puisé d'expérience personnelle. Ou en tout cas, je ne suis pas au courant. Mais il y a des scènes qui sont vraiment choquantes, en tout cas très dérangeantes. C'est un livre qui fait frissonner. C'est un bon livre d'horreur. Maintenant, les livres d'horreur, c'est pas du tout ce que je préfère lire. C'est pour ça que je ne pense pas conserver ce livre dans mes bibliothèques. Je vais le revendre. Mais je suis quand même contente pour ma culture d'avoir lu un Stephen King supplémentaire. Voilà.
Ensuite, j'ai lu un autre livre que j'ai achevé pas plus tard qu'hier. C'est un Marissa Meyer. Je me suis plongée dans Gilded. C'est le premier tome d'une duologie. J'ai même pas enlevé mon marque-page, vous voyez. Pourtant, je suis arrivée à la fin. C'est le premier tome d'une duologie et plus particulièrement d'une réécriture de contes de fées. Donc, Marissa Meyer en la matière n'en est pas à son coup d'essai. Vous le savez sûrement, elle a écrit les Chroniques lunaires qui doivent être quelque part par là, là dans mes bibliothèques. Qui sont sortis il y a des années de ça chez PKJ, que j'avais beaucoup apprécié. Elle en avait profité pour voilà, faire intervenir les personnages de Blanche-Neige, de Cendrillon et puis d'autres encore. Et là, en fait, dans Gilded, elle réécrit un peu l'histoire de Rumpelstiltskin. Que ce prénom est difficile à prononcer, mon Dieu! Je m'attendais à adorer ce roman parce que j'aime beaucoup les romans de l'auteur. J'ai aussi adoré Le Gang des Prodiges que j'ai lu entre l'année dernière et cette année. Mais écoutez, contre toute attente, cette lecture n'a pas été franchement mauvaise, mais ça n'a pas été non plus une révélation pour moi. J'ai trouvé qu'il y avait des longueurs à n'en plus finir. J'ai également déploré le fait que le découpage de cette histoire selon les pleines lunes soit trop classique, soit trop scolaire. L'héroïne qui s'appelle... Ah bah écoutez, j'ai déjà oublié, c'est vous dire à quel point elle m'a marqué. C'est Rilda, qui a été soi-disant maudite par le dieu du mensonge et qui ne peut pas s'empêcher de raconter à chaque fois tout un tas d'inventions aux personnes qui lui prêtent l'oreille. Elle ne m'a pas vendu du rêve, loin de là, je l'ai trouvée particulièrement antipathique, elle est trop téméraire, trop tête brûlée, à tel point que c'en est presque peu plausible finalement. Cette faculté qu'elle a de plonger dans les ennuis tête baissée tout en sachant très bien que ce qui l'attend, c'est un gros risque de mourir et pourtant elle y va quand même. Donc non, non, voilà, je n'ai pas plus apprécié que ça et puis surtout je ne suis pas du tout curieuse de découvrir la suite. Je pense que je lirai sur internet par curiosité le résumé du tome 2 et quelques avis, mais en aucun cas je ne chercherai à me le procurer et celui-ci sera d'ores et déjà en vente sur mon Vinted dès lors que cette vidéo sera en ligne. Voilà. J'ai commencé un livre ce matin puisque ma nuit s'est arrêtée à 5h40. Je suis donc descendue, bon pas à 5h40, je suis descendue à 7h, j'avais trop peur de réveiller Célène. Mais voilà, je suis descendue. Et puis c'est chouette aussi de profiter de sa maison dans le calme quand la journée n'a pas commencé, qu'il n'y a pas l'agitation des enfants, etc. Juste une petite lampe à côté du fauteuil posée sur le buffet, mon thé bien chaud, surtout que j'ai mal à la gorge, donc autant vous dire, ça fait du bien. Et un bon bouquin à commencer. Et j'ai été super comme ça et j'ai été au top comme ça pendant 40 minutes. Donc j'ai commencé le tome 2 de Mémoire de la forêt que je me gardais bien au chaud pour l'automne puisque c'est celui des livres qui se déroulent lors de cette saison. J'ai mis mon joli marque-page que j'ai trouvé en librairie il y a quelques mois et que j'ai plastifié. Et voilà, c'était parti. Donc je vous en parlerai pas parce que j'ai lu 46 pages, hein. J'ai eu 40 minutes, 46 pages, ça fait pas grand-chose. Mais bon, en même temps, comment vous dire, j'ai une capacité de concentration très faible en ce moment. Et pour peu qu'il y ait mon téléphone à portée de main, il m'arrive malheureusement de passer un peu trop de temps à scroller. Et forcément, j'ai un peu moins de temps pour bouquiner. Hein, on a tous les mêmes problèmes, voilà. Donc, c'est ma lecture en cours et je ne serai pas sans vous en reparler dans le vlog du mois d'octobre. Je vais achever très bientôt cette vidéo. Il me reste un colis à ouvrir. Écoutez, j'ai reçu ça dans la boîte aux lettres hier. Je ne sais pas ce dont il s'agit, si ce n'est que c'est une commande Amazon. Donc, je ne sais pas ce que ça peut être, mais je me suis dit que c'est peut-être un cadeau, qui sait, de la part de l'une d'entre vous, bien que sur les réseaux, je n'ai reçu aucun message. Donc, on va l'ouvrir ensemble et comme ça, je serai fixée. On dirait... Au toucher, il s'agit d'une bande dessinée en tout cas. C'est une bande dessinée. Je suis trop contente. Mais clairement, c'est pas moi qui l'ai commandé. Ou alors j'étais dans un état second de somnambulisme, mais auquel cas c'est très inquiétant. J'ai lu le tome 2 en revenant de la maternité.
Et ça m'a plongée dans une bulle de bonheur et de réconfort. J'aime énormément cette série. Mais alors attendez, il y a un message, il y a un truc. Mais il n'y a rien. Mais attendez, c'est super frustrant. Il y a l'une d'entre vous qui m'a fait un cadeau. Je ne sais même pas qui remercier. Mais je suis trop contente. Oh là là, merci énormément à toi si jamais tu passes par là et que tu me regardes. Donc ça, ce sera parfait pour le mois de décembre. Ah, je suis trop contente. Merci beaucoup. C'est très touchant. Merci. Et totalement inattendu en plus. Donc merci encore. Et bah écoutez, avant de vous laisser, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit point colo. Donc, j'ai fait un coloriage dans le Fairy Celebrations. Je l'ai commencé en août avant d'accoucher et je l'ai terminé il y a quelques jours. Donc, vraiment, j'ai mis plus de temps que d'habitude. Mais il faut dire que je n'étais pas aidée parce que les Clara Markova, bah, je vous l'ai déjà dit, ce sont des coloriages hyper détaillés. Alors, je vous dis ça pour vous en montrer un au hasard. Et en fait, je tombe sur une page où le coloriage est au contraire hyper simpliste et peu détaillé. Mais je vous assure qu'il y en a certains autres. Ça fourmille de détails. Ah bah voilà, regardez celui-ci. Oh, puis la beauté en plus. Un coloriage bien noëlesque comme on les aime. Commence par une vue d'ensemble de cette illustration qui est vraiment très jolie. Enfin, je vous parle pas de la qualité de mon coloriage, mais vraiment de l'illustration en tant que telle, avec ces petites créatures qui sont, on ne sait pas trop, moitié dinosaure, moitié fée. J'ai réalisé ce coloriage au polychromos. Il y a du luminance uniquement pour les petites fraises. Quand je fais le focus, on voit bien qu'il y a un effet métallisé sur les ailes. Pour ce qui est des fleurs, j'adore les réaliser de cette manière-là, à savoir sous forme de hachurage. C'est un peu la méthode que je reprends d'ailleurs pour les cheveux, en peut-être un peu moins marqué. Voilà, la grosse pomme de pin. Tac, tac, tac. Donc, je suis contente parce que je trouve que j'ai tendance à m'améliorer avec le temps sur les effets de lumière, les petites zones de lumière. Alors, je ne sais pas si elles sont hyper réalistes, mais en tout cas, elles sont là. J'arrive, mon chéri. Donc, il y a des petites perles de rosée. Voilà, bref, vraiment. Je suis plutôt satisfaite de moi. Et je n'ai pas commencé d'autres coloriages, mais je peux vous montrer celui qui va prendre la suite. Je vais me replonger dans le petit carré boule de poils de Tagadian que j'aime beaucoup. C'est un carré qui contient de nombreux coloriages qui sont regroupés par saison. J'avais fait les sections correspondant à chaque saison. Je vous les avais déjà montrées. Et là, je vais plonger à corps perdu dans l'automne. Et j'ai déjà prévu de réaliser. Attendez, on va y arriver. Non, c'est pas celui-ci. Celui-là. Et mon inspiration, ça va être la cape que porte Jock dans le dessin animé et l'histoire La Belle et le Clochard. Voilà. Donc, je sais pas encore de quelle couleur je vais faire vraiment le tour. Mais pour ce qui est du cercle, j'ai une assez bonne idée. Donc ça va être un coloriage qui va s'annoncer rapide. C'est ce que je recherche. Parce qu'au mois d'octobre, j'aime bien réaliser deux colos. Un sur l'automne et un plus spécifiquement sur l'univers d'Halloween. Mais on y reviendra dans le vlog du mois prochain. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite de passer une très belle journée, de prendre bien soin de vous. Et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt dans une nouvelle vidéo et surtout dans un prochain vlog. Ciao, ciao!